voyou. Vers 1920, Francis Poulenc fait partie d'un groupe de jeunes compositeurs, appelé le groupe des six. Ces jeunes compositeurs ont l'esprit frondeur, ils ne font pas l'unanimité, de loin s'en faut. Et cela privera le jeune Poulenc de pouvoir entrer au Conservatoire de Paris. Considéré comme un grand mélodiste, formé au contrepoint par un élève de Gabriel Fauré, l'œuvre de Poulenc dénote une grande fraîcheur, partagée entre gravité, farce et poésie. En 1936, Poulenc perd accidentellement une amie d'enfance. Cela l'impressionne, cela le marque profondément. Il vit alors un retour à la foi catholique qui lui avait été enseignée par ses parents. Il se tourne vers la musique d'inspiration religieuse et c'est à cette époque qu'il compose ce concerto d'orgue dont vous entendez de tout petits extraits. La musique de ce concerto oscille entre drame, insouciance, burlesque et d'aucuns reconnaîtront ci et là des passages religieux, liturgiques et même des ressemblances avec les œuvres vocales de la même époque. À une question posée par un journaliste sur son Gloria, Poulenc répond, et j'aime beaucoup cette réponse, « J'ai pensé simplement, en l'écrivant, à ces fresques où les anges tirent la langue et aussi à ces graves bénédictins que j'ai vus un jour jouer au football. » Alors, moine ou voyou, ou comme je le pense plutôt, moine et voyou, je vous invite à vous en faire une idée tout à fait personnelle le dimanche 7 novembre à 17h à l'église du prieuré. Appuie.